Bonsoir. Je ne vais pas vous demander si vous êtes bien installé, vu que vous l'avez déjà fait. On va commencer par une musique que vous allez très certainement reconnaître, I Will Follow Him, qui est en fait une chanson qui a été écrite dans les années 60, hein, il y a très longtemps. On la connaît surtout pour Sister Act, un magnifique film qu'on entend cette chanson à la fin, chantée par le cœur des dames. I Will Follow Him. Thank you.
du mari. Ma question. Le morceau suivant, non, ce n'est pas Harry Potter, ça y ressemble beaucoup, mais c'est la suite qui est sortie à partir de 2016, Les Animaux Fantastiques. Donc ça, c'est les musiques du premier volet, qui s'appelle donc Fantastic. Thank you.
m'entend ? Comme vous l'avez reconnu, c'était Pirates des Caraïbes. Alors, Feeling Good, bien sûr, qui a été repris par Nina Simone, plein de gens formidables. On va terminer par quelque chose d'un petit peu léger, mais tout aussi bien. Baby Elephant Walk. Alors, si ça ne dit rien à personne, c'est de Henri Mancini, c'est aussi celui qui a fait la Panthère Rose. Si ça fait ça, c'est cool. C'était dans le film Atari. Pareil, ça date aussi des années 60, c'est un super film. Et donc cette petite balade, ça raconte en fait l'histoire des trois éléphantaux qui sont dans l'histoire. Si vous avez vu le film, je vous le conseille. Donc Baby Elephant Walk.
que bonsoir à toutes et tous. Vous avez face à vous en deuxième partie de ce concert l'Orchestre Junior Départemental du Rhône-Grand Lyon. Un grand merci tout d'abord à l'harmonie de la Cécilienne de Genève, son président et son directeur musical et l'ensemble des musiciens pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé ce soir. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre présence. Nous sommes ravis de jouer pour ce premier concert de la saison devant un public si nombreux. Face à vous, vous avez donc un orchestre junior qui est composé de 48 musiciens, jeunes comme moi. Non, pas trop. Et donc les musiciens sont âgés de 14 à 20 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. Sont jeunes. Hein. Et donc la jeunesse va retracer tout l'ensemble de notre soirée. Nous avons commencé une pièce qui a été écrite en 1992, qui est la plus belle année. Et donc cette pièce s'appelle Le dernier des Mohicans. Elle est basée sur un roman qui lui est sorti bien avant, 1828. C'est beaucoup moins intéressant. Ça retrace cette guerre qui a eu lieu entre les Français et les Britanniques sur le sol américain et au cours duquel les Mohicans, ce peuple amérindien, est venu aider les Français pour vaincre les Britanniques. J'espère que vous avez pu vibrer avec nous, avec ces grandes plaines qui nous ont traversées. Nous allons continuer avec une pièce qui a été mise à l'honneur en 1992. Il s'agit de Christophe Colomb et de Conquest of Paradise. En effet, pour célébrer les 500 ans de la découverte des États-Unis par Christophe Colomb en 1492, 500 années plus tard, ça tombe bien, a été donc sorti ce gros film que vous connaissez tous de 1492. Et Vangelis, ce célèbre groupe, a donc composé une chanson au rythme de la folia, cette danse espagnole, une des plus vieilles danses européennes que l'on connaisse, qui est à peu près du 15e siècle. Vous êtes tous hyper intéressés par tous les détails. Et donc, au rythme espagnol de la folia, voici donc le Conquest of Paradise. C'est l'Amérique, hein, c'est... Alors, en général, quand on reprend, on présente la pièce suivante, c'est ce que je vous disais. Vous avez le temps de préparer, hein, sur le Brésil.
notre soliste de la soirée, qui a été Tony à l'Euphonia. J'ai oublié de vous présenter Emeline à la clarinette qui est jouée dans la pièce précédente. Maintenant, nous allons vous interpréter Cantiga Brasileira. Il se moque de mon accent. Et donc, pour la traduction, c'est des chansons brésiliennes d'un compositeur qui s'appelle Gilberto Gagliana, qui est né en 1922 et qui est décédé en 2001. Comme quoi, je ne sais pas le nom du compositeur, mais je connais ses dates de naissance et mort. Évidemment, il est brésilien, il est arrangeur, il est tromboniste et jazzman. Et donc, il a repris certains airs populaires du Brésil. Voici donc Cantigas Brasileiras. Thank you.
musical qui va vous faire sortir un peu de l'Amérique et qui va nous amener plus proche de notre continent. En effet, cette civilisation a beaucoup été présente dans des évolutions. Il s'agit de la cité de Carthagène, de ses habitants, et vous pouvez retrouver en Espagne depuis leur venue du Maghreb. Et nous allons donc vous amener un peu d'oriental ce soir avec cette pièce qui s'appelle Carthago, qui a été composée par Anselmo Loretan. Voici donc Carthago. Thank you.
membre du groupe. Sachez que la Fédération CNF Rhône-Alpes Grand Lyon offre la possibilité à tous vos jeunes de venir se perfectionner, de venir peut-être renforcer aussi un réseau, parce que je pense que le collectif faisant la force est indispensable pour nos générations futures dans nos orchestres d'avoir du soutien. Et donc, en se retrouvant régulièrement, comme à l'OJD ou lors des colonies musicales que la Fédération organise, nos jeunes nous des relations particulières qui, j'en suis sûr, peuvent rejaillir sur vos sociétés et peut-être faire appel à d'autres réseaux. Ça me semble vraiment indispensable que ce chemin continue et que vous puissiez continuer d'encourager tous vos jeunes à venir jouer, évidemment, venir jouer avec plaisir, passion, comme ils le font. Et donc, je remercie très, très chaleureusement tous les parents qui acceptent d'emmener leurs enfants et tous les présidents et tous les conseils d'administration des sociétés qui poussent leurs jeunes à venir jouer avec nous. Un grand merci. Je pense qu'on peut applaudir un peu les parents. Un tango libre, puisqu'il est libre, tango. Et donc Astor Piazzolla nous offre ce tango que tout le monde connaît et que vous pouvez chantonner avec nous. Voici donc Liber Tango d'Astor Piazzolla. Thank you.
Et enfin, parce que toutes les bonnes choses ont été faites, nous passons donc au terme de cette seconde partie de concert et nous allons donc profiter du soleil des Caraïbes pour nous offrir une page pas spécialement connue de ce compositeur, mais d'un grand compositeur pour quelle armée il s'agit de Jacob Dylan. Voici donc Caribéat, variation de Jacob Dylan. Un grand merci à toutes et tous, un grand merci à l'harmonie de venir. Et bonne soirée à vous toutes et tous. Thank you.
Et on peut fort encourager ce genre d'action. Donc la CRF Rhône Grand Lyon, c'est 130 sociétés médicales qui sont réparties entre la métropole et le département du Rhône. Dans ces sociétés médicales, nous avons des fanfares, des harmonies, des orchestres symphoniques, des orchestres de brass band, des big band, et beaucoup d'harmonies et d'écoles de musique, ce qui est un peu notre socle d'adhérents. Ensuite, nous organisons, nous facilitons la vie de toutes ces sociétés musicales avec un centre de ressources pour toute la gestion des écoles de musique. On offre beaucoup de produits, de trucs qui viennent de la Confédération musicale de France. La Confédération musicale de France, c'est la plus grande association qui s'occupe de toutes les musiques dans France entière. Il y a 4500 adhérents à la Confédération musicale de France. Et nous, pour le Rhône Grand Lyon, on organise aussi des stages de direction d'orchestre parce qu'on pense à l'avenir. C'est notre leitmotiv quotidien de penser à l'avenir de toutes ces sociétés musicales. Et quand on sait, quand on vient d'entendre ce que vous avez entendu, on en est très fiers d'avoir ce genre d'action. Et donc, on organise des formations pour la direction de ces orchestres qui commencent dans 15 jours. Et on organise aussi des colonies musicales, comme Laurent vous a parlé, une colonie musicale que je pense que vous connaissez. Et les colonies musicales de Fugis pour les 9-15 ans et musicalité, qui se passe à la chapelle d'Abondance, pour les 15-20 ans. Tout ça, moi, je vous souhaite petit annonce, c'est l'inscription qui pourrait être le 30 janvier. Donc, quand je sais que ça part très vite, je vous fais l'annonce. Donc, on ouvre l'inscription de 30 janvier. Voilà un petit peu, et donc, on est très fiers de voir ce projet du genre départemental qui concerne tous les musiciens que vous avez vu ce soir. Et l'appel a été fait. On peut, ils sont 48, on peut entendre beaucoup plus, c'est pas de souci. Voilà. Donc, ils se sont mis en place. Donc là, je remercie aussi Luc Ferrari, la Sicilienne de Genève, son président et la Sicilienne de Genève, d'avoir invité cet orchestre junior départemental. Cet orchestre junior est à votre disposition si vous êtes responsable d'une société musicale, ou bien quelque part musicien, ou même simple dirigeant, ou membre d'un conseil d'administration. Cet orchestre est à votre disposition. Entre janvier et mars, chaque année, vous pouvez déborder ce que vous avez. Et on met cette orchestre à votre disposition et c'est un succès garanti. Voilà un petit peu pour tout ce qu'on fait à CRF Rhône Grand Lyon. Et puis, on espère que ça va durer encore longtemps.
terminer cette soirée en beauté, Louis-Né et la Sylvienne vont vous interpréter Sir Duke. Donc, c'est une musique qui a été composée et chantée par Stevie Wonder, justement, en hommage à Duke Ellington, donc, qui était mort 2 ans plus tôt, en 1974. Sir Duke. Thank you.
Yeah.